Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire la séance de la production écrite, deuxième séquence, premier projet. Donc, avec ma, mon camarade, j'écris un petit texte pour présenter mon quartier. J'utilise la boîte à mots. Donc, avec ma, mon camarade, j'écris, اكتب, un petit texte, نصغير, pour présenter mon quartier. باش نقدم الحي تاعي. J'utilise la boîte à mots. نستعمل هذه هي لا بواط ا مو. دونك لا ميزون المنزل لي موبل العماره لا فيلا لو شالي لا تونت الخيمه بري دو بالقرب من ا كوتي دو بجانب en face de مقابل pas loin de غير بعيد على la boulangerie المخبزة la mosquée المسجد l'école المدرسة la librairie المكتبة le magasin الحانوت La pharmacie, pharmacie. Le quartier, la haye. La cité. La rue, chara. La ville, le medina. Le village. Habite, yaskon. Se situe, yaqa. Se trouve يوجد il y a واش كاين في هذاك الحي il y a معناتها واش يوجد في هذاك الحي donc pour commencer je laisse deux carreaux نخلي زوج مربعات toujours في بدايه الفقره donc je commence par majuscule دائما j'habite Le quartier. Ndirou ism l'hay. Kul wahed ism l'hay ta'o. Par exemple, ana, je donne un exemple. Par exemple, ndir Amirouche. Mintouma, kul wahed ndir ism l'hay ta'o. J'habite le quartier Amirouche. Niskin fi hay Amirouche. Point. Qui traverse la phrase, qui traverse le jumla, d'ailleurs, on dirait un point. Donc, mettez qui finit chez nous. Donc, ma maison se trouve près de la mosquée من تابل قرب من المسجد هايليك la mosquée je mets Une virgule, mais c'est un point, facile. Près de la mosquée, en face, mon kabil, en face, du jardin, par exemple. Bon, je sais, mais qu'est-ce qu'il y a Jardin, mais je sais, du jardin, jardin, l'hadika.
en face, مقابل الحديقة. Un point. Parce que la phrase est finie. Donc, dans mon quartier, dans mon quartier, il y a un magasin et une librairie. معناتها حانوت ومكتبة. Point. Ma maison. Ma maison n'est pas loin. Maintenant, ma chibite n'est pas loin de l'école. De l'école. Voilà. Le paragraphe est fini. Anakmina al-fqra.